La cage lâchée, sortez. C'est un stage estival de jeunes arbitres. C'est effectivement la deuxième édition, puisqu'on avait commencé la saison dernière. Donc deuxième édition, donc c'est un stage qui regroupe des jeunes arbitres qui viennent de toutes les ligues, pratiquement. Toutes les ligues sont représentées. C'est des jeunes arbitres donc, qui sont mineurs, qui ont entre 14 et 18 ans. Pour certains qui sont complètement débutants dans l'arbitrage, pour d'autres qui ont déjà une voire deux années de pratique. Mais en tout cas, avec la pandémie, ça a toujours été un peu compliqué pour eux. Mais en tout cas, c'est des arbitres voilà, qui sont très motivés, qui viennent passer une semaine de stage avec nous et qui découvre un petit peu tous les paramètres de l'activité, qui va de la préparation mentale à l'expérience, le retour d'expérience d'un arbitre de haut niveau. Cette année, c'était Romain Poit qui est avec eux. Ils ont eu l'intervention d'une diététicienne, ils ont eu donc l'intervention d'un préparateur mental, d'un préparateur physique. Ils ont eu un retour du staff de l'équipe de France féminine avec la capitaine Gaëlle Hermé pour parler de la relation entre l'arbitre et le capitaine d'une équipe. Donc voilà, toutes les données et de haut niveau, on pourrait dire, pour des jeunes d'arbitre de ce niveau-là. J'ai bon lâché, sortez. J'ai découvert l'arbitrage il y a très peu de temps et du coup on m'a proposé ce stage parce que je vais commencer la formation de l'ACF et c'est vrai que ce stage il a été quand même hyper enrichissant pour moi parce qu'il y a de tous les niveaux et c'est hyper bien parce que tout le monde s'adapte à tout le monde en fait et c'est ça qui est bien parce que c'est comme ça qu'on apprend le mieux. J'avais pas du trop commencé en fait, j'ai pas du tout commencé même, je commence qu'en septembre. Et c'est vrai que être direct dans le bain sur une semaine de stage à Marcoussis avec des formateurs comme ça, le niveau qu'il y a et tout ça, c'est hyper important et c'est vrai que ça motive vraiment beaucoup. Ouais. C'est voir autre chose et c'est se préparer aussi pour la saison qui va arriver et donc je pense que c'est bien aussi de prendre un petit peu d'avance. Je suis revenu parce que déjà la première année c'était un stage hyper enrichissant. Donc je suis revenu et donc, je suis là parce que c'est comme j'ai dit enrichissant puis on apprend plein de choses. Puis ça permet de nous améliorer en tant qu'arbitre. Donc moi j'ai la chance aussi d'être joueur à côté. Donc j'arrive à pallier les deux. Et ici on apprend beaucoup de choses avec toutes les interventions qu'on a. On a la chance d'avoir quatre formateurs et Philippe Marguin. Donc, qui nous accompagnent toute la semaine. Et avec eux, on apprend plein de choses et ils nous font part de leur expérience. Et on a ce point à s'améliorer pour être meilleur. J'ai bien aimé tous les moments qu'on a passés tous ensemble, parce que c'est aussi beaucoup de relations sociales. Parce qu'il y a tout le monde, on est 40 et on vient de toute la France. Donc on a beaucoup rigolé ensemble. Donc c'était très bien. Puis j'ai bien aimé tout ce qui était les interventions, du prépa mental par exemple, de la diététicienne aussi, pour avoir comment manger, etc. Et voilà. Et puis Romain Poit aussi, parce que l'année dernière, on avait eu Jérôme Garcès. Donc Romain Poit, c'est pareil, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et donc qui nous fait part et c'est un exemple.